Et salut à toutes et à tous, c'est Samalcin qui vous parle. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle dégustation. Désolé pour que je sois dans ma voiture, c'est que j'ai pas vraiment trop le choix. Alors, je suis où? Je suis actuellement en train de repasser un stage de récupération de points. Donc, je récupérerai 4 points une fois qu'ils auront déclaré que j'avais fait le stage. Donc, il faudra attendre quelques semaines. Et j'aurai, au lieu d'avoir plus que 2 points, j'aurai 6 points après. Donc voilà. Et puis voilà, c'est tout. C'est pour ça. Je pense, voilà, je fais une vidéo dégustation aujourd'hui, en faire une demain. Au moins, ça m'avancera un petit peu. Puis voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Désolé pour le soleil, c'est vraiment dégueulasse. Désolé pour le soleil. Donc voilà, dégustation de quoi? Déjà, on a un coca. Comme d'hab, hein. Vous me connaissez maintenant. Coca, coca ou coca pas du tout. Hein. Des frites, de la sauce blanche ou du vinaigre. Un kebab, hein. Le reste. Et spécial leur sauce blanche. Ouais, vraiment spécial. Ah, je suis pas très très fan. Ah, dommage. Mam. Elle est spéciale. Hein. Je prends toujours la sauce blanche puisque c'est le meilleur. Mais là, un goût particulier. Tu vois, les frites, ça va, elles sont plutôt bonnes. Bon, après, les frites surgelées, ça. Hein. C'est pas des frites maison. Mettre ça dedans. J'espère que le kebab il sera bon. Manger un peu la va-vite là les frites. What the fuck? Le truc il a plié en deux. Regardez la capsule. Alors vous savez quand vous buvez beaucoup de Coca Zéro et quand vous repassez au Coca classique, j'ai l'impression que le Coca classique il est dégueulasse. Alors pourquoi, j'en sais rien. Oh! La viande elle veut se barrer. Ah, c'est très bien parce que je n'allais pas me voir du tout, ça va être horrible. Ah, c'est pas mal là. Je me suis mis dans un coin, frère, c'est abusé là. Je pensais pas que ça allait tenir.
Et oh. Après l'accueil, enfin le mec qui sert, c'est super agréable. Après la meuf moins, mais le mec, oui, ça c'est sûr. C'est important aussi, quand on fait du la restauration rapide, c'est important d'être comme ça, au moins les gens, ça donne envie de revenir, quoi. Il paye combien lui? Il paye 8,50 le menu. Comparé à avant, ça coûtait que 5 euros. Les temps ont bien changé. Ah, par contre, je n'y retournerai pas. Parce que alors, enfin, à moins qu'il faut changer de sauce, mais ouais, je changerai de sauce. Mais elle est spéciale. Il y a un peu du fromage de tartare. Vous savez, les petits carrés. Pourtant, j'aime le fromage, mais c'est pas tout à fait ça. Ça fait penser à ça, mais c'est pas ça. Mais bon, la prochaine dégustation, ce sera ce bouet. Pour changer un petit peu. Sent par rapport à mon stage de récupération de points, c'est pas loin. C'est à quoi? C'est à 200 mètres. Kebab, pareil, il était à 200 mètres. Putain, je suis entré. Les mecs, il y avait plein de gens dedans. J'aime, ils me regardaient comme si j'étais un étranger, tu sais. Wesh, détendez-vous les mecs! M'ont regardé comme si j'étais un étranger, je te jure. Apparemment, faut croire que j'ai pas une tête à manger des kebabs. Ça fait du bien de manger.
T'es entre les kebabs et les McDo, c'est les trucs que je kiffe le plus. Trouve trop bon. Bah, là, elle est bon. C'est juste la sauce. On va peut-être la remodifier un petit peu parce que. Elle est pas exceptionnelle. Enfin, moi, je suis pas fan, elle est pas exceptionnelle. Mais ça passe. Celle de kebab elle est délicieuse. Pardon. En espérant cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!